Ok, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Palpitance version 0.0.0.7342 avec cette musique qui me détruit les oreilles encore une fois. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool, baron, c'est l'enfer. Ah, merci. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on teste quelque chose d'autre. Alors j'ai vu quand j'ai monté la vidéo que j'avais dit ouais, il y a des trucs à faire, machin. Il y avait ça là, phishing. On comprend ce que c'est? Players of Super Mammoths and Explore our phishing mechanics. Perform implement for phishing our coming later updates. On va faire ça. Voilà. Succomimus. Alors évidemment, on va prendre Succologuste. Succologuste, il est là en tout noir, mais on peut pas le prendre. On peut pas faire un truc qui ressemble à Succologuste quand même. Paf. Bah vas-y, ça m'a saoulé. Ok, on va appeler Succologuste. Et prendre un mâle, ouais, c'est un mâle, Succologuste. Et puis on va enter in the world. On est entré dans la bande. Alors bah du coup comme ça on teste le Succomimus hein. Ok, il court beaucoup plus vite que le Spino, d'accord. Et par contre, franchement, quand il nage les dinos, il nage vraiment à 2 à l'heure. Hein. Ok, on va plonger. Ok. Pas mal, hein. Alors, il y a de la petite poiscaille, hein. Il y a de la petite poiscaille, c'est cool, on va tester ça. Ça va pas être très long, je pense. Après, on va partir en mode multiplayer pour tester notre dino. Et du coup on aura testé le Succo. Attendez, j'ai oublié un truc. Tester ses cris, tout ça, ses attaques. Est-ce qu'il a une attaque secondaire, etc. Alors le Spino n'avait pas l'attaque secondaire. Ah par contre il y a toujours les arbres qui te bloquent, ça c'est bien hein. What? Comment ça je fais un tour sur moi-même comme ça là? Oh! Oh! Y'a ça! Bon, c'est pas très bien fait, ça ressemble un peu à l'altern. Ok, en fait, ça comme ça, tu rôdes derrière et tu fais clic droit. C'est pas très joli, mais c'est plus joli que l'altern en tout cas, parce qu'il bouge un peu les pattes. Bref. Ok. Coup de crow. Alors après, on va tester les cris. D'accord. Ça, c'était le cri normal, le cri d'appel quoi. Cri gentil. Ouais, j'y fais peur, hein. Cri méchant et cri de peur là. Ok, le cri de peur dans Path of Tadence, c'est plutôt un cri d'appel pour appeler les potes, on dirait. Et le cri quand on discute avec les potes. Ok, très bien. La course. En vrai, ça va. Et il court beaucoup plus vite que Spino. Hein. D'accord, et quand on se couche, ça ressemble à quoi? Allez, couche-toi, frérot. Ok, il se met comme ça. Quoi, tu te relèves? Ouais, j'ai appuyé deux fois, bien sûr. Vas-y, attends, mets-toi comme ça. Paf. Ok. Ok, bon, allez, on va pêcher du poisson du coup. On va pêcher la poiscaille. Et est-ce qu'il saute? Non, il saute pas. Hein. D'accord, il y a une espèce d'altern. Alors, par contre, vraiment, il nage à 2 à l'heure. C'est un délire. Alors, le poisson, on va pêcher le plus gros, évidemment. Je sais pas si c'est comme ça pour pêcher en vrai. Y aller et leur rentrer dedans, en vrai, ils m'ont l'air de nager plutôt vite. Hein. Oh! J'ai l'attrapé! Ah, c'est stylé. Hein. Non, ça, je suis désolé, c'est stylé. Ah, c'est magnifique. Magnifique features. Et après, on en fait quoi? On le bouffe? Ah, ça c'est un peu moins joli par contre. Ok. Alors, on peut se mettre comme ça et on attend qu'il se rapproche. Hein, pour vraiment les pêcher. Parce que là je l'ai pêché dans l'eau quoi, je vais aller le traquer. Faut essayer de le voir en fait. De voir la poiscaille. C'est vraiment joli je trouve. La façon de pêcher, d'avoir le poisson dans la bouche et tout. Je trouve ça vraiment cool.
Après, je sais pas si j'ai bien fait la manip, hein. Je vais dans l'eau quoi. Et j'ai fait clic droit du coup pour le pêcher. Oh, il y en a un là, là? Ah non, c'est un rocher. Bon, on va retourner dans l'eau, hein. Je sais pas, je vais me rapprocher de lui, je vais faire manger. On va voir ce que ça donne. Le gros là. Enfin, celui qui se présente, hein. Genre lui là. Non, il faut croquer, hein. Il faut croquer, par contre c'est chaud parce que quand on est au-dessus de l'eau, on les voit pas en fait. On les voit, mais alors pas du tout, donc c'est hyper dur. Faut aller dans l'eau et le pêcher dans l'eau en fait, hein, tout simplement. Hein. Mais c'est chaud parce qu'ils nagent vite les poissons. Bon, on va en pêcher un autre juste pour la forme, tac toi là. Ouais, c'est dur, hein. En vrai c'est dur. C'est dur de savoir à quelle distance on est quoi. Et puis vraiment, je suis cool, il nage à 2 à l'heure. Hein. Toi là. Toi t'es mort. Ok, je l'ai chopé. Et du coup, là que j'ai mon poisson dans la bouche, est-ce que je peux me poser avec? On met comme ça, tac. Me fais mon petit nid ici par exemple. Me pose avec la poiscaille. Et voilà. Et on est plutôt pas mal, hein. Moi j'aime bien, je trouve ça joli. Après la façon dont il mange, bah, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, mais bon, ça va quoi. Ça va, c'est, ça améliore, hein. Je rappelle, le jeu est une bêta, donc, il va y avoir beaucoup d'améliorations, je l'imagine et je l'espère aussi. Bref, bon, on va se retrouver en mode multiplayers. Eh, on a vu ça, on va voir comment ça se trame maintenant avec un autre dino. Ok, je suis au bout de ma vie, ça s'est pas enregistré. J'ai joué pendant 20 minutes à peu près et ça s'est pas enregistré, wesh. Rendez-vous compte de mon état de psychologique. Je suis détruit mentalement. Non, surtout que j'ai tué un con qui avait Nator, et croyez-moi, je l'ai tué. On s'est bagarré, genre là-bas, super loin. J'ai parlé sur plein de trucs et tout là, non. Je suis deg. J'ai tué un concavenator en 1v1 Zillion. Bon, le combat était pourri parce qu'on n'y voyait rien. Il faisait beaucoup trop sombre. Je vous ai aussi parlé de ma coupe de cheveux. Je vous disais que c'était juste un petit craquage personnel, c'est tout. Et n'hésitez pas à me dire si vous aimez que je ressemble à un punk à chien. Voilà, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu qu'il y avait des trucs comme ça là. Petit champi, paf, on mange. Voilà, petit champi en mange. J'ai trouvé des œufs aussi, comme ça. Et j'ai trouvé une carcasse, comme ça aussi. Donc ça veut dire que dans le jeu, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a des objets du jeu qui peuvent te permettre de manger. Et qui sont un petit peu différents. On n'est pas obligé de chasser ou quoi. Il y a plusieurs objets à manger. Comme du coup, visiblement des champis, des œufs et des carcasses d'origine du jeu, quoi, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? J'ai dit d'autre que certains d'entre vous avaient raison sur les graphismes aussi, que moi je trouve que le paysage design général est beaucoup plus joli que dans The Hell, beaucoup plus diversifié au point de vue de la nature, qui est plus réaliste du coup, ça je le dis dans toutes mes vidéos. Mais certains d'entre vous avaient raison sur le fait que le jeu est quand même moins joli que The Hell. Parce que là vous voyez par exemple, devant moi c'est pas texturé là-bas là. Là c'est pas texturé, ça c'est pas ouf. Tout à l'heure j'avais un point de vue, fameux point de vue qu'on essaie de trouver depuis 3 vidéos. Et on voyait que quand c'était loin, eh ben, c'est pas texturé et du coup ça ressort pas très très bien. Ah ben regardez. Voilà, et ça sur ça vous avez raison en vrai, ça je suis d'accord avec vous. Regardez, c'est ça là, les carcasses du jeu. Voilà, hop là. Les carcasses du jeu, voilà, hein, ça c'est une petite carcasse je pense qui est naturelle, qu'on trouvera naturellement posé dans le jeu. Et quand on la mange, paf, ben voilà. C'est ce que je disais quand je mangeais le concavenator que j'ai tué. Je tiens à vous le dire. Je l'ai tué en 1v1 avec mon petit Deinonychus. Ben c'est qu'en fin de compte, c'est pas très joli quoi. Voilà. On attend de ce jeu qui se veut réaliste du réalisme. Et là, on voit, et même pendant le combat, et le combat que j'ai fait avec le Spino la dernière fois, on voit qu'il n'y a pas de sang. Là, il mange, bah, il a 3 km de la carcasse en fait. Et c'est pareil, la carcasse, quand je la mange, elle ne se détériore pas, elle ne se dégrade pas plus que ce qu'elle est actuellement.
Et quand j'ai mangé le concavenator, pareil. Il n'y avait pas de sang, la carcasse ne se dégradait pas. Et ça, c'est ce qu'on attend du jeu. On attend quand même qu'il y ait du réalisme. Et oui. Et oui. Parce que sinon, sinon ça, c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Et du coup, tout à l'heure, je l'ai mangé, cette carcasse, et pouf, elle a des pops comme ça, là. Pouf! Elle s'est volatilisée. Et ça, c'est pareil, on n'attend pas que une carcasse se volatilise, on attend que ça se transforme en os et qu'elle se dégrade au fur et à mesure qu'on la mange, qu'on voit les bouts de chair arrachés, le sang giclé, les os broyés. Voilà, c'est ce qu'on veut. On veut du réalisme, ok? Bref, et je disais aussi tout à l'heure, quand mon enregistrement où j'ai tué un concavenator, je sais pas si je vous l'ai dit, a foiré, je vous disais que je vous reprenais. De jour, parce qu'on passe notre vie sur ce jeu à jouer la nuit. Donc écoutez, je vais monter sur ce petit rocher, paf, et on va attendre le jour. On va attendre le jour, et puis voilà, c'est tout. Ok, re. Re, il y a un groupe qui m'invite. Il y a un groupe qui m'invite. Non, attends. Non, il m'a invité. Oh, j'ai lancé direct trop tard. Nathan, Nathan, invite-moi. Et ça, je crois que c'est les œufs dont je vous ai parlé. Ah non, c'est des glands, ça. Paf, allez, on mange les glands. Ouais, on a un Deinonychus qui mange des glands. Putain, il y a un mec qui m'a invité, quoi. Je suis deg. Non, faut qu'il me réinvite. Comment on fait? Global. Paf. Ah ouais, il y a le chat aussi. Comment on fait pour aller... Yo. Bon, vas-y, barrez-vous. Ok, oui, et aussi ce que je voulais. Ouais, bon, vas-y, les E là, tant pis. C'est dommage, il y a un mec qui m'a invité. Bon, j'ai pas eu le temps d'accepter. Pas grave. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a pas le petit. La petite feature de sentir là. On peut pas renifler. C'est dommage parce qu'il y a un dinosaure qui m'est passé à côté. Et du coup, bah, impossible de le retrouver. Hein. Ouais, impossible. Par contre, je commence à être assoiffé, j'aimerais bien trouver de l'eau. Et puis voilà, bah il y a de l'eau là. Voilà, il suffit de demander. Hein. Il suffit de demander, après je pense que. Je sais pas. Je sais pas si. Hop là, plouf. Je vais me noyer, je crois. Je crois que je suis mort. I'm dead. Kick my ass. Vas-y. C'est quoi ces joueurs encore là? C'est putain, ça va recommencer, hein. Ok, je suis pas mort. Oh, Daddy. Bon, vas-y, fermez-la en vrai, là. Vous êtes. Comment je fais pour partir de là, là? Je veux pas. Paf local, hello. Il y en a un qui m'a parlé, mais je m'en fous en fait. Je veux fermer ce truc. Bon, vas-y, c'est fermé. Ok. Bon, on s'en est sorti de l'eau, très bien. Il commence à faire jour. Super. Et aussi, ouais, un petit truc là qui est pas ouf. C'est quand on tombe dans l'eau, il n'y a pas d'éclaboussure, l'eau n'a pas de. Ah, bah c'est la fin de la map. D'accord. Alors ça, c'est pas beau non plus, hein. Mais l'eau n'a pas de physique. Et ça, c'est pas ouf, hein. Ça, c'est pas ouf. L'eau n'a pas de physique. Voilà. Après, je sais pas si j'ai d'autres trucs à dire. Ce rocher n'a pas de physique non plus, visiblement. Ok. Bon, il y a quand même plein de trucs à corriger. Je trouve le jeu en général vachement beau, avec un très fort potentiel. Mais il va falloir bosser, les gars. Va falloir bosser parce qu'il y a quand même quelques défauts. Il y a un dino là? J'entends un truc. C'est quoi ça? Bon, écoutez, ben, on sait comment ça va finir cette vidéo. Hein. J'ai plus de stam. C'est des succos? J'ai plus du tout de stam par contre. Hein. C'est vraiment dommage. Bon, je vais me poser, je les garde en vue. Et oui, du coup, je disais, ouais, il y a plein de. Voilà, plein de petits défauts. Après, le jeu n'est pas terminé, donc il y a moyen que. Bah écoutez, ça change. Et sinon. Sinon, on va finir un combat sur les petits succos. Hein. On va finir la vidéo sur un combat avec les succos.
Alors j'avais dit tout à l'heure quand j'ai tué le camp Cavenator, que vous me croyez ou vous me croyez pas, mais c'est vrai, que j'étais toujours invaincu dans ce jeu. Là, je pense que y a moyen que ce soit du one shot. Et donc, bah écoutez, donc que ça finisse mal et que je ne sois plus invaincu sur ce jeu. Hein. Ouais. Et surtout qu'il faut que ma stam régène parce que là, c'est pas possible. Après, je pense que je cours plus vite qu'eux quand même. We are lost. Ok, je m'en fous. C'est bon. Lâche-moi, je vais pas vous parler en fait. Je vais juste vous bouffer. Ils sont où? Voyez là par exemple, c'est dommage de. Par contre, je sais pas pourquoi je marche à 2 à l'heure comme ça quoi. Là vraiment, je marche quoi. Merde, je fais du bruit. Là par exemple, vous voyez, c'est dommage de pas pouvoir les. Ah, ils sont là. Pas pouvoir les sentir, j'allais dire. Il est quand même très gros, hein. Yo! Vas-y, il tourne mieux que moi, c'est quoi ce bordel? Hop, hop, hop! Ah, il a failli me tuer! Blablabla. Il court plus vite que moi? Hus! Je suis plus habile. Oh, il y a un Spino qui vient à ma rescousse! Vas-y, fume-les! Yes! Merci les Spino! Fumez-les! Ah, tu fumes, toi, non? Ah, tu fuis devant moi! Voilà, barre-toi! Merci Espino. Merci. Gentil. Gentil Espino. M'ont sauvé la vie, Espino. Très beau, hein. Et l'autre, il est là-bas. Vas-y, fumez-le, les gars. En vrai, il m'a même pas one shot. Par contre, ça me saoule de marcher là comme ça, là. Attendez, on va voir les settings. Y'a bagarre. Il est là-bas l'autre. Y a quelqu'un d'autre? Oh, salut! Et là, je te fume! Vas-y, 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 t'es dans une chute de mort! Non, t'es foutu, t'es foutu! Bam! Voilà! Toujours invaincu dans Palafteens! Et on va manger le Deinonychus du coup. On va manger le Deinonychus pour vous montrer. Pour vous montrer ce que je vous disais du coup. Avec une vraie carcasse de joueur. Et vous allez voir que c'est pas ouf. Hein. Alors par contre, on fait qu'un clic. On n'a pas besoin de rester appuyé, ça c'est cool. La preuve, j'ai les mains en l'air. Hein. Voilà. Et on va faire une bonne petite image. Et vous voyez qu'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de carcasse qui se détériore. Hein. Et ma barre de faim qui remonte. Voilà, très bien. Et puis voilà. Et puis on va rester sur un Deinonychus vivant pour cette vidéo. Voilà, on a affronté deux succomimus, on s'en est sorti tranquille, avec aucune aide, besoin de personne. On a affronté un camp Cavenator qui est 10 fois plus gros que nous et qu'on a réussi à tuer. Alors ça, je suis vraiment au bout de ma vie que vous ne le voyez pas. Mais croyez-moi, c'est vrai, je l'ai fumé ce camp Cavenator. Et là, vous voyez, la carcasse vient de dépop. Elle vient de dépop. Et on a affronté un Deinonychus qu'on a pu flinguer hein, aussi. On va boire un coup aussi, on va voir un peu la Dizins. Ok. Bon, et la barre de soif qui remonte aussi. Voilà. Vous voyez un peu, regardez, je montre avec mon doigt, comme ça là, tac, la barre de soif qui remonte très bien, les deux spinos là-bas qui m'ont protégé, vachement cool. Bah écoutez, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé, donc mettez un petit pouce bleu si vous avez kiffé, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est très important. Voilà, hein, tout le monde vous le dit, donc ça veut dire que c'est vrai, il n'y a pas que moi qui dis ça. Et puis si vous avez des remarques ou quoi que ce soit à faire sur la vidéo, il y a l'espace commentaire qui est fait pour ça, je réponds à vos commentaires, vous le savez très bien. Donc du coup, ben je vous dis à la prochaine.
Allez, tchuss tout le monde.